Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour le mois de septembre 2021. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis accompagné de Catherine Clément-Talbot. Bonsoir. Louise Leroux. Bonsoir. Benoît Langevin. Bonsoir à tous. Et M. Yves Gignac. Bonsoir, good evening. Nous avons, comme toujours, nos services qui nous accompagnent à chaque séance conseil. Mais ce soir, nous avons avec nous, on est très content de l'avoir avec nous ce soir, le commandant Théverge, qui va nous donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe sur le territoire au niveau de l'SPVM. Monsieur le commandant. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être là ce soir, d'être parmi vous. Je sais que c'est ma première présence sur le conseil. Donc, très content d'être là. J'ai vraiment l'intention d'être là pour les prochaines séances. Merci, M. le maire, de me céder la parole de me permettre de faire un petit portrait, un petit peu des réalisations de mon équipe au PDQ3 pour le mois d'août qu'on vient de traverser. Au niveau du service de première ligne, sachez que durant le mois d'août, on a pris 349 rapports d'infraction suite à des plaintes de citoyens. On a procédé à 45 arrestations dans le secteur. En termes d'opérations de sécurité routière, il y a 60 opérations qui ont été réalisées. Spécifiquement, pour la rentrée scolaire, on a eu 30 opérations en lien avec la rentrée scolaire, dont 10 qui étaient préventives et 20 qui étaient répressives. Il y a 13 autres opérations qui ont été réalisées en lien avec les distractions au volant. Et ce thème-là se poursuit jusqu'à la fin de cette semaine-ci. Donc, tout ce qui est cellulaire au volant, on va continuer à faire des opérations pour le restant de la semaine. Vous informer qu'encore cette année, avec la rentrée scolaire, nos brigadiers sont présents sur 12 intersections, dont 8 qui se trouvent dans Pierrefonds. Et c'est sur ces 8 intersections-là, il y en a 7 qui sont prioritaires. Donc, voilà. Je profite aussi de la tribune, si jamais vous avez des gens qui ont un intérêt peut-être pour venir travailler avec nos jeunes. La SPVM est toujours à la recherche de brigadiers, que ce soit des amis, des parents, peu importe. Sur le site du SPVM, vous allez trouver toute l'information. Il y a des gens qui seraient intéressés à nous appuyer dans cette démarche-là. Du côté prévention, nos agents sociaux communautaires travaillent très fort, eux aussi, en termes avec nos écoles. Ils ont commencé à faire des pratiques en vue de confinement qui pourraient survenir. Ils ont aussi distribué tout le programme offert pour nos jeunes auxquels les enseignants peuvent réserver une plage horaire. Au primaire, c'est 13 ateliers que nos agents sociocommunautaires offrent. Et au niveau du secondaire, c'est 8 différents ateliers qu'ils offrent aux étudiants. Aussi, on a eu la chance de faire une rencontre, d'être présent au centre jeunesse La Corde. Ça a été une très, très belle rencontre. On a distribué des repas aussi dans le centre-là, à des jeunes étudiants qui étaient là sur l'heure du dîner. Donc, ça a été un superbe échange avec ces jeunes-là. Puis, il y a M. Asmé qui fait un travail exceptionnel avec son équipe là, pour supporter ces jeunes-là. Ça a été très intéressant. On a pu répondre à plusieurs questions de jeunes qui avaient les yeux gros comme ça en voyant. Donc, ça a été vraiment une belle rencontre. Au niveau de la patrouille à vélo, cet été, ça se poursuit. Ça se termine le 30 septembre. Donc, nos agents vélo sont présents dans les parcs. Les différents parcs assurent une présence toute sur le réseau cyclable. Donc, ils sont encore là jusqu'au 30 septembre. Nos cadets ont terminé avec la rentrée scolaire. Donc, ils ne seront plus présents dans l'arrondissement. Et je ne pourrais pas vous parler, sans vous parler au niveau corporatif de la situation qu'on vit avec tout ce qui se passe avec les coups de feu qu'on entend. Je veux juste vous assurer que l'SPVM prend cette situation-là très au sérieux et fait beaucoup d'efforts pour tenter de contrer cette situation-là. Il y a des agents du poste 3 qui sont mis à contribution. Moi-même, j'ai été mis à contribution sur cette force corporative-là qui assure une présence accrue dans les secteurs qui sont touchés et dans d'autres secteurs. Donc, tout est mis en place. C'est une problématique qui n'est pas évidente, mais on travaille d'arrache-pied, autant au niveau de la gendarmerie que les enquêtes, pour travailler sur ce sujet-là.
On a eu aussi une situation malheureuse là, qui s'est produite dans Pierrefonds au début du mois. Donc, pour nous, c'était important de démontrer notre présence, mais aussi de rassurer les citoyens en leur expliquant un petit peu qu'est-ce que le SPVM mettait en place. Donc, on a cogné à 160 portes. On a parlé à des citoyens pour les rassurer et un petit peu expliquer qu'est-ce qu'on faisait. Donc, pour nous, c'est vraiment important que les gens comprennent qu'on est présent et qu'on fait de très gros efforts pour contrer cette situation-là qui est, on va se dire, quand même inquiétante. Je n'avais pas d'autres sujets. Si vous me permettez juste de glisser, si les gens ont des questions ou peu importe, sachez que nous sommes toujours ouverts à répondre à vos questions, à répondre à vos inquiétudes. Vous avez l'adresse courriel qui est le pdq3@spvm.qc.ca. Le poste de quartier est ouvert de 9h à 19h à tous les jours de la semaine et ou par téléphone au 514-280-0103. Donc, ne vous gênez pas. On est là pour répondre à vos questions et à vos inquiétudes. Commandant Théberge, merci beaucoup pour le rapport. Le seul commentaire que j'ai, c'est de dire que souvent on communique avec l'SPVM quand on a des interventions à faire de la part de nos citoyens qui nous demandent soit la présence, soit les interventions policières un peu partout sur le territoire et vous êtes toujours présent. La seule chose qu'on est en train de vivre présentement un peu partout, pas juste dans notre arrondissement, mais sur l'ouest de l'île en général, puis j'imagine à Montréal, c'est exactement la même chose. C'est le problème de vitesse. Et quand on parle problème de vitesse, c'est le non-respect des arrêts aussi, et surtout autour des écoles. Et je vous demande, comme je demande souvent, d'avoir une présence importante un peu partout sur le territoire, autour des écoles. Je sais parce que je vois régulièrement les policiers sur les lieux, mais on a beaucoup, beaucoup d'écoles. Malheureusement, on n'a pas les effectifs qu'on veut nécessairement sur le territoire, mais s'il vous plaît, déployez les équipes autour des écoles, surtout au début de l'année scolaire. Effectivement, je comprends votre préoccupation en tant que père de famille également. Pour moi, c'est primordial. Et surtout avec des nouveaux comportements, la rentrée qui vient. Donc, c'est important pour nous. Puis, effectivement, comme vous dites, on a 30 écoles dans le secteur qu'on doit s'occuper au poste de quartier 3, incluant Sainte-Geneviève et l'Île-Bizarre. Mais soyez assurés que le mandat est clair pour les premières semaines et aussi à venir une présence accrue des patrouilleurs à vélo, des agents responsables AQSR, des agents sociaux communautaires et les patrouilleurs aussi. Donc, les 30 opérations qu'on a eues là, depuis la fin août témoignent du sérieux qu'on met en lien avec cette situation-là. Puis, effectivement, aussi au niveau de la vitesse sur le territoire, c'est des enjeux qui sont tellement importants. Puis, on continue d'être très actifs au niveau des opérations laser, pour contrer la vitesse. Puis, on a un grand territoire, on a un beau territoire, mais il faut que ça reste sécuritaire. Puis, soyez assurés qu'on met beaucoup d'efforts au niveau de la sécurité routière pour améliorer notre bilan routier depuis la dernière année. Merci. Monsieur Langevin. On entend beaucoup parler du manque d'effectifs au SPVM. On entend parler de la difficulté, justement, des propos du maire à avoir suffisamment de présence policière autour des écoles. Je me questionne à savoir, pour rassurer la population, est-ce que vous considérez avoir tous les outils, surtout dans le contexte des organisateurs, des policiers socio-communautaires, est-ce qu'on a suffisamment d'heures d'investir dans les milieux scolaires pour faire de la prévention? Puis est-ce que, comme ce qu'on entend dans les médias, on se questionne à savoir, est-ce qu'on utilise ce type de corps policier-là pour faire de la patrouille ou est-ce qu'on priorise ou est-ce qu'on vraiment les policiers ils sont pas enlevés d'un service pour travailler sur d'autres, surtout dans le contexte de vous avez nommé puis les inquiétudes que vous avez nommées sur les coups de feu qu'on a entendu parler dans les derniers mois? Différents volets à votre question. Première question, le manque d'effectifs. Assurément, on aurait besoin de davantage d'effectifs. Quand je vous parlais de la force corporative tout à l'heure, bien, c'est des agents qu'on prend de notre secteur pour la réponse aux appels qu'on envoie rejoindre une force corporative, que ce soit. Donc, oui, il y a beaucoup d'effectifs qui est demandé aussi par le service de planification opérationnelle. On a vécu le triathlon dernièrement.
On a vécu le tour de l'île, donc c'est beaucoup d'effectifs qui sont dégagés là. Mais le plus important dans votre question, c'est au niveau des agences sociaux communautaires. Les agences sociaux communautaires demeurent toujours en fonction de la prévention. En ce moment, ils sont 100% dans les écoles. C'est leur volet majoritaire. Ces deux policiers-là qu'on a au PDQ3 ont dégagé seulement sur le volet communautaire. Est-ce que je pourrais en avoir trois facilement? Avec 30 écoles, toutes les présentations des différents niveaux de toutes les écoles, d'avoir un troisième agent socio-communautaire, ça serait gagnant pour moi, assurément. Et là, on parle du volet école, mais il y a tout l'autre volet aussi de prévention. On a travaillé ensemble, M. Langevin, là-dessus pour l'aile chaleur, l'aile transition. Ben, il y a plusieurs choses qui pourraient être bénéfiques si on avait la capacité de mettre une personne davantage là, comme agent socio-communautaire. Mais ils travaillent extrêmement fort, je le vois au quotidien. Ils mettent beaucoup d'efforts, sont très présents. Puis on a un très gros souci, oui, pour la réponse aux appels, autant pour la sécurité routière, mais aussi pour le volet prévention avec nos agents socio-communautaires. Merci. D'autres questions, Mme Leroux? Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Théberge, pour votre présence ici ce soir. Écoutez, 30 août dernier, c'est sûr qu'il y avait le retour en classe de la majorité de nos élèves. On a 24 écoles sur notre territoire. On a travaillé beaucoup en collaboration et je tenais à vous remercier parce que vraiment, vous travaillez là en étroite collaboration avec nous. Je tiens à mentionner que on a travaillé très étroitement avec nos services pour faire en sorte que ce soit une entrée scolaire les plus sécuritaires, tant avec nos services qu'avec le SPVM. Évidemment, il y a eu quelques petits endroits où il y avait de la construction. On a vraiment poussé les services à ce que la construction soit terminée. Mais encore là, des fois, c'est hors de notre contrôle, puis on essaie là de terminer tous les secteurs là avant la rentrée des classes. Donc, je voulais juste mentionner qu'on a à l'œil ces secteurs-là, on a déployé quand même des services et on a travaillé en très grande collaboration là avec le SPVM. Et je pense que M. Théberge, le commandant, pourrait aussi le mentionner. Donc, à vous, chers parents d'élèves, je vous demande d'être patient. De continuer à être sécuritaire aux abords des écoles parce que on sait, des fois, on est pressé. Moi-même, maman de trois enfants qui vont à des écoles du secteur, des fois, on peut être pressé un peu. Prenez votre temps. C'est des zones scolaires, c'est du 30 km/h. Et puis, de faire attention, le personnel des écoles, s'il vous plaît, continuez là à demander là, les bonnes pratiques tant aux élèves qu'aux parents. Je pense que c'est important. Donc, merci à tous pour votre collaboration. Puis, on continue dans le sens de la prévention de la sécurité. Merci, commandant Théberge. Et on se voit probablement avant le prochain conseil, mais sûrement au prochain conseil. J'espère bien. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Avant que je commence, mesdames et messieurs, avec ma rubrique et par la suite l'agenda du conseil, je voulais dédier le moment de silence à Maître Normand Talbot, qui est décédé à l'âge de 75 ans. À l'issue d'une vie débordante d'énergie et de générosité, laissant avant tout l'image d'un homme humble. Monsieur Talbot a exercé de 1972 à 2014, principalement en litige commercial et en droit de travail. Il a longtemps pratiqué conjointement avec son épouse, Maître Catherine Clément Talbot,
notre conseillère de ville pour le district de Cap-Saint-Jacques. On a perdu quelqu'un de grande qualité dans la communauté, un membre de notre famille. Nos sympathies, à mon nom personnel et au nom du conseil, mais aussi au nom de tous nos citoyens, on offre nos plus sincères condoléances à Catherine et sa famille. Monsieur le maire, je reçois ce témoignage de sympathie avec beaucoup d'honneur et d'émotion. Et je vous remercie d'accorder une minute de silence à mon mari avec qui j'ai passé 51 ans ou presque. Je vous remercie. Je vais me lever pour cette minute de silence, si vous le permettez. Merci. Nos prières et nos pensées sont avec toi, chère Catherine, et vos proches. Mercredi passé, c'est le cœur rempli d'émotion que nous avons inauguré un banc commémoratif au parc Jacinthe Fiff, dédié à la mémoire de Jessica Sarli-Rivera, une résidente de Pierrefonds-Roxboro qui a été tuée en 2017 sur l'autoroute 20, alors âgée seulement de 27 ans, dans une collision impliquant l'alcool et excès de vitesse. Cette initiative, entreprise par les parents de Jessica, qui sont d'ailleurs très impliqués dans notre communauté, mérite d'être souligné. Avec la collaboration de nos services à l'arrondissement et de l'organisme MAD Montréal, par l'entremise de notre programme de banc commémoratif, la mémoire de Jessica vit maintenant dans notre arrondissement. Quiconque s'assit sur ce banc du parc situé sur la 11e avenue à Roxboro peut recevoir le message de manière claire et simple. Si vous buvez l'alcool et ou consommez de cannabis, planifiez à l'avance. Ayez un chauffeur désigné, utilisez le transport en commun, Uber, un taxi ou restez où vous êtes. C'est si facile de sauver des vies. Je prends cette opportunité aussi pour remercier sincèrement Louise Leroux. Louise a travaillé ce dossier depuis quand même longtemps avec M. Bittard, le père, et la mère Elisabeth, et le frère de Jessica, Charles-Antoine, une famille qu'on connaît très bien depuis des décennies à Roxboro, très impliquée dans la communauté. Et je te remercie, Louise, pour le travail que vous avez fait ensemble pour réaliser ce projet. Je suis heureux. Je vais prendre quelques minutes, Monsieur le maire, si vous me permettez. Oui. Juste pour dire que MAD, c'est Mother Against Drunk Driving. Et ils cherchent toujours des bénévoles et des dons. Ceux qui seraient intéressés à donner, il y a un numéro qui est le 1-800-665-6233. Et je voulais juste vous dire qu'au Canada, plus de 50% de tous les décès lors de collisions impliquent la présence d'alcool, de drogue ou une combinaison des deux. Donc, c'est une façon efficace de sensibiliser les gens et d'honorer la mémoire d'un être cher.
dans un espace public, d'avoir un banc comme nous avons la chance d'avoir dans notre beau parc Jacinthe Fife. Comme M. le maire a dit, je vous invite à aller vous asseoir sur le banc et avoir une pensée pour tous ceux qui ont été victimes de ça. Tous les parents qui ont perdu un être cher, ayez cette pensée-là. MAD Montréal marque son 25e anniversaire cette année. Et si vous voulez là, contribuer, là, comme je vous dis, allez sur le site ou appelez et ça va leur faire chaud au cœur là, que vous pensiez à eux, soit de façon volontaire ou de façon monétaire. Merci. Merci, Mme Leroux. Je suis heureux aussi de vous annoncer que notre revue municipale Vivre à Pierrefonds-Roxboro Ensemble est en cours de distribution à travers le territoire. Je vous invite à consulter attentivement cette nouvelle édition pour y découvrir nos plus récentes réalisations et lire les informations très pertinentes pour vous et votre famille. La revue peut être consultée en ligne sur notre site Internet et des copies papier sont disponibles au bureau Accès Montréal, ici, bien sûr, au bureau d'arrondissement et à la bibliothèque de Pierrefonds. So, some of you have received already our municipal magazine, Vivre à Pierrefonds-Roxboro Ensemble. It is being distributed as we speak, where we can find pertinent information, what's going on in our community, but also some of the achievements in this last little while. You can consult this magazine online. You can also receive a hard copy here at our City Hall, but also at our public library in Pierrefonds. Monsieur Langevin, vous avez quelque chose à nous présenter, une annonce qu'on a faite la semaine passée pour la première fois à Pierrefonds-Roxboro. Puis bravo, c'est grâce à toi qu'on réalise ce projet à Pierrefonds-Roxboro. Merci, Monsieur le maire. As some of you know, or some fathers of our community will notice, if they just got a baby and they need to change a diaper, well, now we are in full conformity in the borough. All of our facilities almost all of our facilities, when it was possible to install a table so that you can change your diapers. So we've installed 50 new baby changing stations and in 9 buildings, which makes it amazing because I myself, before running, I saw the problem, and that's the whole point of running in politics and municipal politics, is to see those problems and to actually participate in the whole civic engagement it represents. So now when you will be at the Borough Hall, you're going to be at George Springgate Park Chalet, Pierrefonds Cultural Center, West Community Center in Saint-Anthony, at the Grier Park Soccer Chalet, the Rive Boisée Park Chalet, Monroe Park Chalet, Amabe Park. Now all genders will be able to participate in the family. We're in 2021, and I'm really happy that our borough has this concern about family, which is our priority. It's something that we focus on, and we're there for families. And I wanted to make this once again, this announcement, so that any fathers or any family members would have ideas, come and see us. We're there, we're going to listen and see if it's possible, but bring your ideas, participate. Thank you, Mr. Mayor. Monsieur Langevin, merci. And to some, it may seem like a trivial achievement here, but for many, as Mr. Langevin has stated, is makes a world of difference when we are living our lives day to day and we search for these opportunities. And so here we found an opportunity, and I want to thank, je remercie encore les services de l'arrondissement, parce que, comme je dis souvent, sans eux, rien est possible. Et ça prend une idée, on travaille l'idée, on trouve le budget pour accompagner l'idée, mais c'est les services qui réalisent le projet avec nous. Merci. Depuis le 1er septembre, comme indiqué par le gouvernement du Québec et la santé publique, le passeport vaccinal
est dorénavant exigé pour entrer dans certains lieux et pour pratiquer certaines activités. Si vous ou des gens que vous connaissez n'avez pas accès à l'Internet ou à une imprimante ou avez besoin d'assistance, venez à la bibliothèque de Pierrefonds pendant nos heures d'ouverture. Nos bibliothécaires sont disponibles pour vous aider à télécharger votre passeport vaccinal sur votre téléphone mobile et pour imprimer gratuitement votre preuve vaccinale. So since September the 1st, as was indicated by the Quebec government, the vaccine passport is now necessary to be able to participate in many activities. What we've done here in Pierrefonds-Roxboro is we've gone a step further and have provided now this service for folks that need to download their vaccine passport and also print hard copies for them free of charge at the library. And we ask those that need assistance to present themselves at our Pierrefonds library here next to City Hall, and they can get that information during regular business hours. Je vous invite à célébrer la rentrée culturelle à l'extérieur avec nous au Parc des Anciens Combattants. En septembre, c'est à cet endroit que des performances musicales culturelles de grande qualité vous sont présentées chaque semaine gratuitement. L'inscription est obligatoire et peut se faire en ligne via notre billetterie ou en personne sur le site 30 minutes avant l'événement. Je vous rappelle que pour assister au spectacle, vous devriez présenter votre passeport vaccinal avec une preuve d'identité. Our cultural program has been in existence for quite some time. Before the pandemic, we mandated our services to come up with a cultural program, specifically around the library and all the facilities that it offered. But we went a bit further, and we presented many shows throughout our territory in parks and green spaces in Pierrefonds-Roxboro. Now in September of this year, you can assist and you can participate in the incredible shows that are taking place at our Ancien Combattant Park on La Londe and Rose, and our Veterans Park, in other words. And you will be able to participate free of charge. The only thing that we ask is that you show your vaccine passport and register in advance. And if you haven't registered in advance, you can do so 30 minutes before the presentation begins at that location. You can consult our website for additional information. Cet été, malgré les mesures liées à la COVID-19, plusieurs enfants et familles ont pu profiter d'activités estivales organisées par nos partenaires locaux, que ce soit avec les camps de jour de l'arrondissement gérés par les YMCA du Québec, la location de kayak au parc des anciens combattants avec Gate, la baignade et les cours de natation en nos deux piscines publiques Valley Crest et Versailles, ou à l'occasion d'activités sportives, culturelles et communautaires à Pierrefonds-Roxboro. Nous avons eu que de bons commentaires sur la programmation offerte. Je tiens à vous remercier, chers citoyens, pour votre participation et surtout à remercier l'implication, la collaboration et le dynamisme de nos organismes partenaires qui nous ont permis de passer un bel été amusant en toute sécurité. Et sans oublier encore notre service de sport, loisirs, culture et développement social et le personnel de Mme Gervais, je vous remercie sincèrement pour le travail que vous faites, pas juste pendant la saison estivale, mais à l'année longue pour donner des services à nos citoyens. So again, with the measures of COVID-19, many families and children benefited from the different summer programs, whether it was the day camps that were managed by the YMCA of Quebec, whether it was the renting of kayaks by the organization GAPE at our Veterans Park, whether it was the swimming and the courses offered at our two municipal pools, Valley Crest and Versailles, and of course, on occasion, all the sports and cultural programs that took place throughout the territory all summer long.
I want to take this opportunity to thank the residents because all we have heard is positive comments, and folks are thankful that these programs continued even though we were in a pandemic. And I take this opportunity as well to thank Madame Gervais, who is our Director of Sports, Culture, Social Development, that can attest that there is a lot of hard work that goes behind putting these programs together. And her and her team did a spectacular job once again for us, not only during the summer, but year-long providing all these services for our citizens. Plusieurs grands chantiers sont présentement en cours sur notre territoire, notamment comme ceux du REM. De la construction de nouvelles conduites principales sur le boulevard de Pierrefonds et d'autres travaux de réhabilitation de conduites d'égout dans plusieurs rues résidentielles. Je suis très conscient, tout comme les membres du Conseil et nos services à l'arrondissement, que plusieurs chantiers se déroulent en parallèle. Or, les travaux en cours sont essentiels comme certaines infrastructures étaient à la fin de vie. Les actions en cours amélioreront grandement la qualité de nos installations et des services qui vous sont offerts. Je tiens à vous assurer que nous sommes en communication constante avec les entrepreneurs et les services de la Ville de Montréal responsables de ces travaux pour veiller à la sécurité de nos résidents, à la circulation fluide dans nos quartiers et pour limiter les agréments. As you all have seen, there is major construction going on in our territory, particularly road work that's happening, whether it's the replacement of major waterwork systems or the regular rehabilitation work taking place on some of our residential sectors. We understand the inconvenience that this causes, and rest assured that we are in constant communication, not only with our REM partners, but also with the contractors and the City of Montreal who are responsible for a lot of the work taking place on our territory. I want to take this opportunity as well to thank our residents for the patience. It's not always easy. We do our best to try to provide these services as most of these systems have passed their due date and need this work that's desperately needed throughout the territory. So again, I thank you once again for your patience. J'ai deux autres items que je vais souligner parce que c'est très important. Sept membres de notre club Bulingrin ont participé au Atlantic Bowls à Fredericton, Nouveau-Brunswick, et ils ont remporté deux médailles d'or et un bronze. Seven members of our Pierrefonds Lawn Bowling Club participated in the Atlantic Bowls in New Brunswick recently. And they brought back two gold medals and one bronze. This is an incredible achievement. And for those of you that don't know that we have a lawn bowling club, we do. You can consult, of course, our website and even theirs. They have their own website. And participate in large numbers. We're still looking at improving those grounds. We did some rehabilitation work recently, and we're looking ahead to improve that facility even more as we move forward. Félicitations de ma part, mais aussi de la part de nos co-citoyens à Pierrefonds. En terminant, je tiens à souligner une journée importante que notre conseil a entérinée et proclamée en 2019. Le 4 septembre dernier était la journée nationale de la sensibilisation de la maladie polycystique des reins, telle que reconnue par Santé Canada. J'encourage la population à appuyer généreusement la cause de la Fondation canadienne de la MRP afin d'améliorer la qualité de vie des personnes affligées par cette maladie. I want to take as well this opportunity before I finish to thank Ms. Louisa Maniacci, who has done an absolute extraordinary job, not only locally, but throughout Quebec and in Canada. There are now 40 cities and towns across Canada
as well as Health Canada, that recognize September 4th as this day, a PKD Awareness Day. Yes, it is an education day for us to all understand what this is, but it also is a fundraising effort to provide the much needed care and research that's required to combat this illness. Sur ce, merci. Thank you all. Madame Ferrandon. Pardon. Oui, Madame Ferrandon. Question de la part de nos citoyens. On ne vous attend pas très bien, Madame Ferrandon. See, these technical issues happen quite a bit with these. I think it's a sign that we have to end these virtual type meetings because I think even the computers have had enough. Est-ce que comme ça, vous m'entendez? C'est parfait, Madame Ferrandon, merci. Veuillez m'excuser. Alors, nous allons passer à la période de questions du public reçues par Internet. We have received some few questions on the same subject. I will start with this question and let the mayor give a global answer. Nous avons reçu plusieurs questions sur le même sujet. Je vais commencer par ces questions pour laisser Monsieur le maire faire une réponse globale. First question, Mr. Jerry Wood. Dear Council, I was encouraged by Mayor Bale's call for a 90-day moratorium on PPC-moi 4800-4780 Saint-Charles and his desire to call in citizens to participate in the long-term planning for Boulevard Saint-Charles. As we are approaching the 45-day mark in our moratorium, I would like to know if this process has begun and when I can expect to be contacted. In addition, I would like to know how I can follow the progress respecting these two PPC-moi. Next question from Mrs. Martha Bound. Question SPP Saint-Charles Boulevard Interim Control Bylaw adopted August 2nd, 2021. What are the reasons for adopting the Interim Control Bylaw? When does it expire? Is there a required public consultation? And when will the borough make available the proposed development plan, including the transportation plan for increasing the number of streets to solve the current problem to traffic overcapacity on Saint-Charles? On Saint-Charles Boulevard, Pierrefonds Boulevard and adjacent residential. Et troisième question de Monsieur Éric Picon. Bonjour. Concernant la résolution CA 21-29-01-95 de contrôle intérimaire pour le secteur du programme particulier d'urbanisme PPU du boulevard Saint-Charles, adopté à la réunion du Conseil du 2 août dernier, pour laquelle il n'a pas été possible de recevoir aucune information du service d'urbanisme ou suite à une demande d'accès aux documents et qui est déjà presque à mi-chemin du moratoire, serait-il possible, s'il vous plaît, de rendre compte de l'état d'avancement, de la vision et de l'engagement de l'arrondissement, incluant la sélection et l'analyse du consultant, la consultation publique, les étapes du PPU, l'affectation multifamiliale et la densité de 4 étages, la modification de profondeur de zone ne reflétant plus la réalité existante, les orientations, la problématique et les balises de la planification détaillée du plan d'urbanisme et la compréhension, le dialogue et la résolution des inquiétudes des citoyens. Merci. Monsieur le maire. Merci beaucoup pour les questions. Thank you very much for the questions. Je vais répondre en français et en anglais pour répondre à ces 3 questions parce qu'on touche le même sujet. L'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough procédera à des consultations publiques, groupes de consultation et autres en vue de l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme sur le secteur de Saint-Charles. Nous n'avons toujours pas déterminé le moment exact de ces consultations prévues pour 2022. Soyez assurés que les consultations prévues, l'arrondissement publiera des avis publics à cet effet au moment venu.
C'est quelque chose qu'on avait dit au dernier conseil ou au mois d'août, quand on avait passé la résolution. On avait dit qu'on ne peut pas aller de l'avant sans impliquer, consulter les citoyens et surtout les citoyens qui demeurent dans ce secteur. The Pierrefonds Roxborough Borough will carry out a future public consultation process, focus group and others in regards to an eventual special urban planning program for St. Charles Boulevard area. We have not yet determined when and how this consultation process will proceed and be carried out in 2022. And I can tell you that you should rest assured that we will make sure that you and all others are informed, because this concerns everyone and it is only a matter of time. When we talk about traffic, yes, it is all the residential streets, but it is also having the urban boulevard and north-south corridor, as we had proposed way back. It is something that we continue and will continue to pursue as we move forward. Thank you very much for your questions. And again, all information concerning this issue and this project will be publicized and everyone will know how to get involved. And we encourage the residents. On vous encourage de participer au processus quand l'arrondissement annoncera le processus à venir. Merci. Madame Ferrandon. Second question from Mrs. Neri Schreier. Even since moving in 2013, we had registered our cell phone numbers to get important local notifications. We even installed the Code Red app on our cell phones, and we have never gotten any notification from this means. For example, we were lucky to find out about the recent bold water advisory on August 11, 2021 through the news. Therefore, how citizens be properly notified in case of local emergencies? What can be done to remediate this issue? Monsieur le maire. Madame Ferrandon, merci. Mrs. Schreier, thank you very much for contacting us and voicing your concern. We are also concerned with this. Regarding the most recent boil advisory, because the notice was a measure put in place by the Ville de Montréal Water Services, all communications were taken in charge by the Ville de Montréal Emergency Communication Team, which uses its own communication channels and strategy. By no means by me answering this am I passing blame. I'm just being factual so we can better understand the system, move beyond it, and work with our partners in Montreal to better the system to best inform our citizens. That being said, the Code Red application has not been used in this particular case because it is our own emergency application system at the Borough of Pierrefonds-Roxborough. Code Red is thus only used when notices are declared locally by us, the borough. During the most recent boil advisory, because the crisis was managed by the Ville de Montréal, they used their own platform, which called fixed phone lines, and did not take into consideration our Code Red registered citizens, because they are two different platforms. The Ville de Montréal indeed also disseminated the information through mass media about the boil advisory, because it is the best way to reach the greatest number of residents quickly. You should, however, know that both the borough of Pierrefonds-Roxborough and the Ville de Montréal are using a common application called Notices and Alerts, which sends texts and emails to residents in their homes' addresses matching the problematic perimeter. The application has actually been used 4 times during the last boil advisory, and the notices were not sent at large at all to all Pierrefonds subscribers, but rather only to home addresses concerned by the advisory, which meant that the folks that were registered would have received it. All Ville de Montréal citizens can and should subscribe to this application available for free on the Montreal.ca website. The borough also communicates, just for your information, daily and provides updates to its official Facebook page and website, montreal.ca/Pierrefonds-Roxborough.
We also, of course, use our electronic signboards every time there is not only an event, but also an emergency that we broadcast and solely broadcast so that folks that drive by these signs see it more often than not. Rest assured that we will actively be promoting our communication apps as we've always done in our channels all year round. We have been known, and Pierrefonds, not in this case, because it affected so many people. And if you've heard me on the news and how I've spoken about this situation, as has my colleague Indalar Desormeaux, we were both dissatisfied by the communication response. And we are working with our Montreal counterparts to see how we can collaborate better should an event like this happen in the future, because clearly it did not work to our satisfaction and did not necessarily respond to not only our citizens, particularly in the East, but also the Dollard East residents that also unfortunately lived this experience for almost or over 10 days. I thank you very much for your question. Please reach out to us at any time and we'd be happy to discuss this further with you. Madame Ferrando. Next question from Mrs. Joanne Peltier. I would like to know if the council is working to see what can be done with the synchronization of the light on source. I used to take 5-8 minutes to get down source, and now with headed traffic lights, sometimes you can go only one block at a time before hitting another red light, and it can take 12-15 minutes. I understand that the goal is to avoid excess speed and giving the ability to side street to get onto the main street source. But should we be able to go more than one block at a time? Go from Pavillon down to the 40 or 20 and see how long it takes you. In a time when we are trying to decrease pollution, having cars sitting at red lights at every block seems detrimental to our climate. Wouldn't you agree, Monsieur le Maire? Madame Peltier, thank you very much for the question. The timing and synchronization to all the traffic lights in our borough and all the boroughs, for that matter, are managed and controlled by the Direction de la Mobilité of the City of Montreal. Out of all these traffic lights from Gouin Boulevard all the way to the Highway 40, two of these are on our territory. Others, of course, as you may know already, are in our neighboring communities of Dollard-Désormeaux, Pointe-Claire, and Dorval as we approach Highway 20 even. And they are responsible for managing their own traffic lights. I can tell you that we have, on occasion, contacted our counterparts in the other neighboring communities, and we've tried to find solutions to try to better the flow of traffic, particularly on our main arteries, Pierrefonds Boulevard, Sources, St. John's, St. Charles, and others that may intersect our neighboring communities. The engineering division will contact the direction of De La Mobilité of the City of Montreal and verify if any synchronization is possible with our neighboring communities. I can tell you firsthand, I live in that area as well, and you're right when you say that sometimes we wait unnecessarily, and it is something that we will continue to work with, and we've mandated now our engineer division to do that and hopefully find some resolve for you and all our fellow citizens. Thank you very much for taking the time to write us. Madame Ferrando. Next question from Mrs. Erin Kelly. Hi, I recently moved to a new street and there isn't any street light at all. The address is 11681 Pavillon in Pierrefonds. The street is so dark when the sun sets, I need to use the flashlight on my cell phone to walk to my car in the evening. What about when the sun sets at 4 p.m. during winter? This worries me because I have two teenage daughters who take public transportation and need to walk in the dark to her home. What can be done about this? Monsieur le Maire? Mrs. Kelly, thank you very much for your question. And this is an issue that we deal with in virtually every community across the island of Montreal, and I suspect everywhere when we look at some of the older residential areas. Several streets, of course, in our borough are without streetlights, as are in our neighboring communities. We will forward your request to our engineering department. They will contact you, and they will explain to you the process of any given street asking
for example, the borough or the city to implement street lighting, and they will guide you through that process. What happens? I'll explain that very briefly here, is if there are a number of citizens that are interested in bringing streetlights, for example, it is a local improvement, and the people on that street would be responsible if ever something like that would happen. What we do at that moment is we analyze, first of all, is it possible on that stretch of road? If it is possible on that stretch of road, what would be the cost associated to it? And then what we do is we bring that back to the citizens that would like to see streetlights, and we tell them this is how it would impact them on that street financially. And then from there, a decision is made whether we go forward or not. But there is an internal process that we have applied in other areas. And we have come back to citizens with the cost associated to some of this major infrastructure work. And this is what the engineering department will do when they contact you. They will explain that process to you and see where we go from there. Thank you very much, Mrs. Kelly, for writing us tonight. Madame Ferrando. Question from Mrs. Diane Pagliotti. I was told at the meeting of August 2nd, 2021, that someone would contact me regarding the traffic issues on Valentine. As of yet, no one from your administration has contacted me. Have any traffic studies been completed on for Valentine and the surrounding small street that would be impacted by new developments and construction along the Saint-Charles? Thank you for your response. Monsieur le Maire. Madame Pagliotti, Madame Ferrando, merci. Madame Pagliotti, thank you very much for taking the time to write us tonight. I suspect that the reason you may not be, haven't been contacted, and I don't want to guess, but I suspect it's possibly because there's a hold on that project, and so this is why they were looking at maybe doing everything at the same time. I can tell you that the borough had recently reviewed speed complaints on Valentine Street. We have the file number as well. And a speed study was carried out by the borough on that street between September the 24th and August 10th, 2019, for a total of approximately 16 days. The east direction average was clocked at 35 kilometers an hour. The westbound average speed was 29 kilometers an hour. And the displayed speed limit there, as you know, is 40 kilometers an hour. The recommendation at that time was to maintain the status quo, and the vehicle volume and recorded speed did not justify the installation of traffic calming measures. I can tell you that this was done as recently as 2019, around this time of year. It is something that we all are always concerned when it comes to residential streets and speed affecting the residents that live there. And this is something that we need to keep looking at when it comes to evaluating not only your street, but all your neighboring streets as well. And so as we move forward, because it was done 2 years ago and it was done, you know, during the first phase of the pandemic, we can certainly look at this as we move into early next year and see if we can evaluate that street again. But this is why when we look at the recommendations, Mrs. Pagliotti, it's not necessarily the city alone, and I've explained this many times, the people that sit on the traffic committee are the experts, are the engineers, are the SPVM, are the fire department, you know, council from this side. So it's not a unilateral decision made by any service at the city. We have our partners sitting around the table, and they do a very exhaustive evaluation of every sector when they're asked to, and they come back to us with a recommendation, and this is what it was at that time. But certainly we can move forward and look at this again when the time comes and see if there's been a change of practices, especially on that street, and if it merits some type of intervention, we'll hear about it by the traffic committee. Thank you very much for taking the time to write us. Madame Ferrando. Question from Mr. James Bond. Concerning phase two, Ajoie administration and residents, despite that it seems the borough has no regulatory obligation to respect zoning bylaws in consideration to existing single family residences, given the scale of the proposed project, more than doubling by adding 27 units versus 14 units as discussed some years ago,
Can the borough voluntarily conduct a written consultation with affected residents in order to get their feedback to achieve a more harmonious integration of the project in the neighborhood? In this case, the borough would make publicly available the R24 unreleased plan and solicit comments from the residents by distributing a letter and request for comments. Monsieur le maire. Merci, Madame Ferrandon. Mr. Bond, thank you very much for taking the time to write us a question. Any project, as you may already know, that does not comply with the borough bylaws must be subject to a special project adoption procedure, which is what we call the PPC-moi. To this end, the adoption process includes a public consultation where residents can submit comments and questions. And as you know, each project is announced on a specific property and by a public notice. The plans of the project are then presented and available to the public who would like to consult them. And this is how we proceed, not only for this project, but for any project when it concerns this special project, as we call the PPC-moi. And I believe that you may be aware of it already. And this is how we've proceeded and will continue to proceed for this project. Mr. Bond, thank you very much for taking the time tonight. Madame Ferrandon. Question de Monsieur Juan Echagué. Mon nom est Juan Echagué. J'habite le 14830 boulevard Gouin-Ouest. En tant que résident de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, je m'adresse à vous car ma famille et celle de mes voisins sommes extrêmement désespérés avec une situation d'insalubrité et d'insécurité qui nous affecte. Les résidents de l'immeuble du 14820 boulevard Gouin-Ouest maintiennent des véhicules abandonnés dans le jardin devant leur porte qui bloque la vue de nos sorties de garage et des déchets de poubelles qui tombent dans nos propriétés, le tout dans un état d'insalubrité générale de l'immeuble qui affecte directement notre qualité de vie. Ceci accompagné par un comportement incivilisé, des insultes envers nous et des menaces à répétition. Un camion de 15 pieds bloque la vue de ma sortie de garage, ce qui rend chaque sortie en voiture une situation très dangereuse. L'angle de vue est perdu à cause du camion stationné, et il n'est pas possible de voir les voitures qui viennent du boulevard Gouin vers l'ouest. Pour les résidents du 14810 boulevard Gouin-Ouest, c'est la même situation, mais avec le trafic allant vers l'est. Les voisins et moi sommes très concernés par cette situation, car à plusieurs reprises, nous avons failli écraser des cyclistes, piétons et voitures, et avons évité des accidents de justesse. En plus, des poubelles remplies dépassent les limites de la propriété du 14820 boulevard Gouin-Ouest et tombent sur le trottoir et sur mon terrain et mon entrée de voiture. Celles-ci sont souvent remplies et des ordures sont éparpillées chez nous. Les résidents du 14820 gardent leurs poubelles au-dessus de leur camion, juste au bord de ma propriété, et je dois composer avec des odeurs à chaque semaine. C'est une situation d'insalubrité insupportable. En plus, les résidents du 14820 sortent par mon garage, car leur sortie est bloquée par les herbes et la végétation non entretenue. Selon le certificat de localisation de mon immeuble, le 14820 boulevard Gouin-Ouest n'a aucune servitude à leur faveur pour rentrer dans ma propriété à volonté. Nous avons déposé des plaintes à la mairie de Pierrefonds depuis 2020 sans aucun succès. Vous pouvez suivre la plainte numéro 21-13-5803 qui résume la situation décrite. Les voisins et moi sommes allés récemment à la mairie pour faire le suivi de nos plaintes et de la situation et parler à l'agent en charge du dossier, M. Moïse, qui n'a pas pu nous donner plus de détails sur les délais d'attente pour régler ce dossier. J'espère que cette situation dangereuse et insalubre puisse se régler dans les plus brefs délais. Monsieur le maire. Oui, Madame Ferrandon, Monsieur Echeg, merci beaucoup pour la question. Ça nous préoccupe aussi. Afin de répondre à vos préoccupations, nous allons transmettre votre plainte à nos enquêteurs encore, qui effectueront un suivi. Nous communiquerons avec vous dès que nous aurons les détails sur les actions prises et à prendre. L'arrondissement consulte présentement ses aviseurs légaux afin de vérifier les options possibles, afin de corriger le plus rapidement possible les nuisances en forçant la propriétaire à se départir des véhicules sur le terrain privé. En ce qui concerne les nuisances associées aux poubelles et aux herbes hautes, des constats d'infraction ont été rédigés à cet effet et l'arrondissement assurera un suivi de la situation. Vous avez tout à fait raison. C'est inacceptable. Ce n'est pas la première fois. Malheureusement, ces cas spécifiques
prennent un peu plus de temps que voulu. Je sais que dès le début, nos services travaillent sur ce dossier pour trouver une solution. Et on va continuer jusqu'à temps qu'on trouve cette solution-là et rétablir un peu la qualité de vie que vous êtes habitué ici à Pierrefonds-Roxboro. N'hésitez pas à communiquer avec notre bureau. Vous avez les conseillers et conseillères de votre secteur aussi. Vous pouvez communiquer avec eux aussi. Et là, on va continuer de travailler avec nos équipes pour trouver des solutions appropriées dans cette situation malheureusement est difficile. Merci encore de prendre le temps ce soir pour nous écrire. Madame Ferrando. Question de Monsieur Pierre-Olivier Gervais. Bonjour, je viens de constater l'installation de quelques dodanes sur le boulevard Lalande, à l'endroit même de l'accident terrible du mois de juin 2021. Et je tiens à réitérer mon constat des dernières années concernant la vitesse et le non-respect des arrêts obligatoires par bon nombre d'automobilistes sur la 19e avenue et la 9e rue à Roxboro. Ces rues sont réellement devenues le boulevard d'accès à la gare en matinée et en fin de journée. Et cela pose réellement un danger, notamment pour les enfants qui marchent au retour de l'école ou qui sont à vélo. De plus, il n'y a pas de trottoir, sur la 19e avenue pour améliorer la sécurité des piétons. J'aimerais bien, ainsi que plusieurs voisins, que l'on considère sérieusement des mesures concrètes, dodanes, signalisation lumineuse, etc. pour ces rues avant qu'un drame ne s'y produise. Merci. Monsieur le maire. Pardon, merci beaucoup. Monsieur Gervais, merci. Merci beaucoup. Je connais la rue très bien. Je passe sur cette rue presque tous les jours et quelques fois par jour parce que je demeure pas loin de cette rue que vous parlez. Une étude avait été réalisée sur la 19e du 31 juillet au 20 août 2019 pour un total de 21 jours à peu près. Direction nord, moyen de vitesse 44 km/h. Direction sud, moyenne de vitesse de 43 km/h. Limite de vitesse affichée, comme vous savez, comme j'ai mentionné à l'autre citoyen, c'est 40 km/h. Considérant que les résultats démontrent que la vitesse réelle n'était pas très élevée par rapport à la vitesse affichée, le comité avait recommandé de conserver le status quo. Vous avez mentionné aussi le non-respect des arrêts. Je vais vous dire honnêtement que le non-respect des arrêts obligatoires, c'est une infraction au code de la sécurité routière et au besoin devrait être signalé au poste de quartier 3. Je vous encourage de le faire, M. Gervais, mais nous, on va le faire en même temps. Je ne sais pas si vous avez attendu le début de ce conseil municipal. J'avais mentionné à M. le commandant d'avoir plus de présence un peu partout sur le territoire. Et quand on voit des situations ciblées sur le territoire, on demande une présence un peu plus pour corriger, oui, temporairement, mais changer les habitudes aussi des conducteurs un peu dans les secteurs résidentiels. Et c'est ça qu'on va faire encore avec l'SPVM. On a d'autres endroits à Roxboro, entre autres, à signaler avec l'SPVM, et c'est ça qu'on va faire. Merci beaucoup, M. Gervais, de prendre le temps de nous écrire ce soir. Bonne soirée. Madame Ferrando. Question de Madame Michèle Hubert. J'aimerais savoir quels sont les plans pour notre table de quartier, car présentement, nous n'avons pas de table qui dessert notre territoire. Les arrondissements desservis par l'ancienne table de concertation du nord-ouest de l'île de Montréal sont les seuls arrondissements de la ville à ne pas bénéficier de ce service de développement social local. Malgré que la table de quartier du sud de l'ouest de l'île de Montréal offre du support à notre secteur, cette table couvre déjà le plus grand territoire de l'île et ne peut prioriser nos enjeux et nos besoins au même niveau que le ferait notre propre table de quartier. Monsieur le maire. Madame Ferrandon, merci beaucoup. Madame Hubert, merci pour la question. Il est vrai que la table a été inactive au cours des deux dernières années. Mais la table de quartier nord-ouest de l'île de Montréal est actuellement en cours de revitalisation. Un nouveau CA a été élu en juin 2021 et a comme mandat de mobiliser les acteurs du Nord et de redémarrer les activités de la table d'ici avril 2022. Je peux vous dire aussi, Madame Hubert, que l'arrondissement est en soutien à ce processus de revitalisation.
Monsieur Langevin, vous avez un commentaire à ajouter sur ce point? Oui, je voulais vous remercier pour la question, madame. En effet, c'est une inquiétude que je porte depuis le début de mon mandat. La question de la remise sur pied de cette plateforme-là, absolument nécessaire. Nécessaire pas juste pour les membres de la communauté, mais aussi pour nous, les élus, pour avoir des planifications communautaires, avoir des recherches, des analyses territoriales, mais aussi savoir où les groupes communautaires veulent qu'on apporte nos politiques à la Ville-Centre. C'est pas une question de ne pas considérer cette instance-là. C'est vraiment une situation de conjoncture, de remise sur pied. Il faut aussi considérer, si on fait des comparatifs avec d'autres quartiers, qu'on a un très faible taux d'organismes communautaires par capita aussi, ce qui rend difficile aussi la participation puis le maintien de certains conseils d'administration pour qu'on ait une démarche participative des différents groupes communautaires. Pour avoir été membre pendant plus que 10 ans sur l'ancienne mouture dans mes anciennes fonctions, sachez que l'arrondissement voit votre question d'une très forte importance, puis nos services vont continuer à accompagner toutes les démarches. Puis je vous invite à rentrer en contact avec les membres du conseil, avec moi, si ça vous intéresse, pour en discuter davantage. Merci. Merci, M. Langevin. Madame Hubert, merci beaucoup encore. Madame Ferrandon. La dernière question de M. Georges Crémery. L'ancien pont ferroviaire entre Pierrefonds et l'île Bigra sera-t-il démoli ou recyclé comme lien piétonnier et cyclable avec Laval? Un tel lien avantagerait les citoyens de tout le quartier encadré par le boulevard Gouin, la voie ferrée et la rivière qui pourraient aussi accéder à la station REM sur l'île Bigra par une piste aménagée à partir de l'extrémité nord de la rue Pérou. Pierrefonds appuiera-t-elle un tel projet? Monsieur le maire? Oui, Madame Ferrandon, merci. Monsieur, merci beaucoup pour la question. Excellente question, parce que ça nous préoccupe depuis longtemps. On fait des représentations avec la Ville de Montréal et la Ville de Montréal est actuellement en négociation avec le REM et Nouvelle-Aire afin d'obtenir l'espace nécessaire pour la construction d'une piste cyclable dans l'emprise du REM. Si nous obtenons cette autorisation, l'objectif est de faire un lien cyclable et piéton entre la Ville de Montréal, d'ailleurs l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, et la Ville de Laval sur l'ancien pont ferroviaire. Et la Ville de Montréal et la Ville de Laval sont en faveur de ce projet. Ça fait quand même un peu de temps qu'on pousse pour ce projet de se réaliser. Bien sûr, ça prend beaucoup de temps, mais on ne lâche pas. Je vais vous dire honnêtement, c'est quelque chose voulu par la communauté et on va aller très loin pour réaliser ce projet. Merci beaucoup pour prendre le temps de nous écrire ce soir et je vous souhaite une excellente soirée. Madame Ferrandon, merci. C'est la fin de la période des questions. Ça nous amène à l'agenda, à l'ordre du jour. On est à 10:03. Que soit adopté l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement avec la modification de la résolution du point 40.03 qui est le règlement CA 29-0123-2. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. Pardon, 10:04. Je suis tout mélangé. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenu le 2 août 2021 à 19h. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Gignac, merci. 10:05. Conformément à l'article 20.2 de la Charte de la Ville de Montréal, que Monsieur Yves Gignac, conseiller d'arrondissement du sigle de Bois, c'est une erreur. District de Cap-Saint-Jacques, Madame Ferrandon, avec la correction, soit nommé maire suppléant de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la période du 5 octobre 2021 au 18 novembre 2021 inclusivement. En français et en anglais, c'est Bois de Liesse, il faut lire Cap-Saint-Jacques. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Talbot, merci. 20.01. Que le conseil octroie une subvention
avec convention au montant de 8 000 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 à l'organisme communautaire Action Jeunesse de l'Ouest de l'Île afin d'établir et de maintenir des services d'intervention de travail de rue et de milieu auprès des jeunes âges de 12 à 25 ans à risque ou en difficulté de l'Ouest de l'Île. Que le Conseil autorise Mme Louise Lampigny, chef de division culture, bibliothèque et développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Monsieur le maire, je préfère... Sans prendre un appuyeur avant. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Mme Leroux, merci. Monsieur Langevin, vous avez quelques mots à dire pour cette résolution. Oui, je suis très content qu'on passe cette résolution-là aujourd'hui, ce soir, parce que, comme vous voyez dans les médias, on a une situation avec des jeunes à risque. C'est partout sur le territoire montréalais. On a entendu le commandant parler de forces corporatives qui venaient en renfort, de présence accrue et même de porte-à-porte pour sensibiliser, pour faire en sorte qu'on se sente en sécurité dans notre communauté. Notre conseil aujourd'hui approuve une proposition pour augmenter le financement en travail de rue sur notre territoire. Nous aussi, de notre côté, on fait tout en notre pouvoir avec notre capacité d'arrondissement pour bonifier justement le sentiment de sécurité puis le travail fait auprès des jeunes, des populations ciblées finalement ce qui se passe sur l'île de Montréal. Donc, je tenais à faire une intervention pour saluer le travail qui est fait dans l'arrondissement au niveau du travail de rue, tout au long de la crise de la pandémie. Il y a eu une présence d'adultes significatifs dans les espaces publics. Il y a eu de l'écoute, du support, de l'accompagnement, de la distribution de matériel de prévention qui a été faite avec brio. Ça se fait aussi dans d'autres quartiers. C'est définitivement une approche qu'on soutient. Puis encore ce soir, on bonifie considérant le contexte. Donc, sur ce, Monsieur le maire, je vous redonne la parole. Monsieur Langevin, merci beaucoup. On est à 20-02. Que le Conseil accorde le contrat ST 21-04 au montant total de 509 672,68 taxes incluses, à Alley Excavation Inc. pour des travaux de drainage, d'aménagement paysager et travaux connexes à différentes adresses dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Que le Conseil autorise une dépense totale de 637 090,65 taxes incluses, qui couvre le contrat de l'entrepreneur, les contingences de 10% et les dépenses incidentes. J'en prends un proposeur appuyeur. Je propose. Et j'appuie. Monsieur Gignac, Monsieur Langevin, merci. 20-03. Que le Conseil accorde le contrat ST 21-10 au montant total 256 987,77 taxes incluses à Kojalak Inc. pour des travaux de réfection de trottoirs et de bordures sur diverses rues locales de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'automne 2021. Que le Conseil autorise une dépense totale de 321 234,72 taxes incluses qui couvrent le contrat de l'entrepreneur, les contingences de 10% et les dépenses incidentes. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Talbot, merci. 30.01. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 281 418,53 pour la période du 26 juin au 30 juillet 2021. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 30.02. Que soit déposé le rapport de l'évolution budgétaire au 30 juin 2021 à l'état comparatif des revenus et des dépenses au 30 juin 2021 versus 2020 et de l'état comparatif des surplus et réserves au 30 juin 2021 versus 2020, au conseil d'arrondissement par M. Gaétan Brunet, chef de section ressources financières et matérielles, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités des villes et versé aux archives de l'arrondissement. Je propose. J'appuie.
Madame Talbot et Madame Leroux-Mercier. 30.03. Que soit approuvé le partage avec l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Saint-Geneviève de 25 % de la somme compensatoire aux frais de parc obtenus dans le cadre de la construction de deux bâtiments multifamiliaux de trois étages chacun au 15 905 et 15 915 boulevard de Pierrefonds, les lots projetés 6315258 et 6315257. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Leroux, merci. 40-01. That the adopted bylaw CA-29-0040-50, modifying zoning bylaw CA-29-0040, in order to bring the following modifications and adjustments. Modification of the definition of building footprint. Modification of the definition of detached private garage. Modification of the article on the landscaping requirements for the use of a single family dwelling, H1 category. Modification of articles concerning parking, modification of articles concerning signs, and modification of the title of the chapter about acquired rights. To repeal resolution number CA-21-29-0182 adopted at the August 2nd, 2021 Borough Council sitting for the adoption of second draft bylaw CA-29-0040-50. Votre micro, Monsieur Gignac, votre micro. Je propose. J'appuie. Je propose, je m'excuse. Monsieur Langevin et Madame Talbot, merci. 40.02. Que soit adopté le règlement CA-29-0040-51, modifiant le règlement de zonage CA-29-0040 afin d'apporter diverses corrections et ajustements aux articles concernant les solariums, les abris d'auto détachés et les garages privés détachés, les potagers, les auvents, les socles d'équipements de services publics et bornes de recharge pour véhicules électriques, les bâtiments accessoires détachés, les remises, les constructions de jardins, les piscines creusées, semi-creusées ou hors terre, les bandes de paysagement, les cases de stationnement dans le secteur 1 de l'îlot Saint-Jean et le secteur 2 des gares, les mezzanines et les espaces de rangement. Je propose. Et j'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. 40-03. Que soit adopté le règlement CA-29-0123-2, modifiant le règlement CA-29-0123 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2021, afin de supprimer pour les abonnés des bibliothèques les frais de retard pour le prêt d'un document, d'un instrument de musique ou de tout autre équipement et d'ajuster la codification relative aux frais pour la perte ou l'endommagement d'un document ou de tout autre équipement et d'autoriser l'amnistie des frais de retard des abonnés aux bibliothèques de Montréal en date de 6 octobre 2021. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. 40-04. Que soit adopté le règlement CA-29-0123-3, modifiant les règlements CA-29-0123 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2021, aux fins d'ajouter les frais pour la vente de livres. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Gignac, merci. 40.05. That the Council acknowledge the tabling of the minutes of the written consultation for minor exemption, request number 300-2917834,
concerning lot 1841749, address 14,665, Revolve going west, aiming to allow an H14267 zone for a detached single-family building, a south side setback of 1.88 meters instead of a minimum required of 2 meters, held from August 4th to 19th, 2021, according to the provisions of the July 16th, 2021 Ministerial Order number 2021-54, taken by the Quebec Minister of Health and Social Services. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 4006, que soit accordée une dérogation mineure, numéro 300-29-17-834, concernant le lot 1841-749, adresse 14665 Boulevard Gouin-Ouest, visant à permettre dans la zone H14267, pour un bâtiment unifamilial isolé, une marge latérale côté sud de 1,88 mètres au lieu du minimum requis de 2 mètres. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 4007. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de consultation écrite pour la dérogation mineure numéro mentionnée concernant le lot 6-323-444 à l'adresse 4848 rue Millette, visant à régulariser dans la zone H37-415 pour un bâtiment unifamilial contigu, un perron en cours avant, une marge latérale zéro côté sud au lieu du minimum requis de 2 mètres, tenu du 4 au 19 août 2021, conformément aux dispositions à l'arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je propose. J'appuie. Maintenant, si vous me permettez, M. le maire, oui. Lorsque c'est écrit que le conseil prenne acte, est-ce que les élus font juste prendre acte ou on doit approuver? On approuve, et on propose et on appuie, même que ce n'est pas une motion, c'est juste une motion que ça prend une personne. Merci. On a vu une motion, c'est deux personnes qui ça prend. Merci. Okay. Ça nous amène à 4008. That be granted a minor exemption request number 300292915 concerning lot 6323444, address 4848 rue Millette, aiming to regularize in H37415 zone for a contiguous single-family building, a porch and front yard with a south side setback of 0 meters instead of a required minimum of 2 meters. I propose. I concur. Monsieur Gignac and Madame Leroux, is contiguous single family home. My apologies for the mispronunciation. Contiguous. 4009. Que le conseil prenne acte du dépôt du procès verbal de consultation écrite pour la dérogation mineure numéro mentionné concernant le lot 6252502 à l'adresse 4850 rue Millette, visant à régulariser dans la zone H37415 pour un bâtiment unifamilial contigu, un perron au cours avant à marge latérale zéro, côté sud, au lieu du minimum requis de 2 mètres, tenu le 4 au 19 août 2021, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Leroux, merci. 40-10, que soit accordée une dérogation mineure numéro mentionné concernant au lot 6252502 à l'adresse 4850 rue Millette, visant à régulariser dans la zone H37415 pour un bâtiment unifamilial contigu, un perron en cours avant à marge latérale zéro, côté sud, au lieu du minimum requis de 2 mètres. Je propose. J'appuie.
Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 41. To be approved, the cadastre operation under minute number 2589, prepared by Benoit Couture, land surveyor on March 12, 2020, showing the creation of lots 6366354 and 6366355 of the cadastre of Quebec Montreal registration, replacing lot 1368122 at 5010 rue Raymond and at 13885 Boulevard Gouin West, that be accepted the payment of a compensatory sum of $20,000 in application of the bylaw concerning land transfers for the establishment, maintenance, and improvement of parks and playgrounds, and the that the preservation of natural areas within the territory of the Ville de Montréal. I propose. I concur. Madame Leroux, Madame Talbot, merci. 42. Que soit approuvée l'opération cadastrale sur la minute numéro 1858, préparée par Benoît Couture, arpenteur géomètre, le 10 juin 2019, montrant la création des lots 6323-111 et 6323-114 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en remplaçant le lot 1900-129. Au 5070 Boulevard Lalande, que soit accepté le paiement d'une somme compensatoire de 64 200 en application du règlement relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, des terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et M. Langevin. Ça nous amène à 43. Que soit refusé le PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé d'un étage au 5068 Boulevard Lalande, lot projeté 6323114. Madame Ferrandon. Oui, je vais vous demander, Monsieur le maire, d'inviter les conseillers à voter. Oui, s'il vous plaît. Alors, j'invite le conseil à voter sur cette résolution. Monsieur Langevin. Je vote contre. Contre le refus. Madame Leroux. Je vote contre. Monsieur Gignac. Je vote contre. Madame Clément Talbot. Contre. La résolution est donc rejetée à l'unanimité. Merci, Madame Ferrandon. 44. Que soit refusé le PIA pour la construction de nouveaux bâtiments unifamiliaux isolés d'un étage de 5072 Boulevard Lalande, lot projeté 6323111. Madame Ferrandon, je crois qu'un vote est nécessaire pour ce dossier aussi. Oui. J'invite donc le Conseil à voter sur cette résolution. Monsieur Langevin. Encore une fois, je vote contre le refus. Madame Leroux. Contre. Monsieur Gignac. Contre. Madame Clément Talbot. Contre. La résolution est donc rejetée à l'unanimité. Merci, Madame Ferrandon. Ça nous amène à 60-01. Que soit déposé par la secrétaire d'arrondissement le certificat des résultats pour la tenue d'une procédure de demande de scrutin référendaire remplaçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement d'emprunt CA-29-01-27, autorisant un emprunt de 3 500 000 pour le financement de travaux relatifs aux bâtiments municipaux, à l'acquisition de mobilier de bureaux et de matériel informatique pour l'arrondissement de Pierre-Fond-Roxborough dans le cadre du programme décennal d'immobilisation. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, ça nous amène à la fin 70-01. Que la séance soit levée. Je propose. Et j'appuie. Monsieur Gignac, Monsieur Langevin, merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se voit pour la dernière fois avant la fin de ce mandat le mois prochain. Soyez prudents, tout le monde, et on se voit très bientôt. Merci.